Ce mois de mars devrait vous apporter un peu de sérénité, de calme dans votre quotidien, aussi bien sur le plan sentimental que dans le professionnel. Les choses s'apaisent. Les célibataires auront le vent en poupe. Les rencontres pourraient se positionner sur votre chemin. Veuia, l'ange qui vous relèvera, vous apportera la confiance que vous pensiez avoir perdue. Profitez de sa force pour vous relever, offrez-lui une bougie dont la couleur est or. À noter qu'il aime également les bougies blanches. C'est un ange d'action qui va vous permettre d'évoluer ce mois-ci. Profitez-en. Si vous êtes artiste, vous vous sentirez encore plus inspiré. Pour les taureaux, vous êtes en pleine forme avec l'arrivée du printemps. Vous aimerez vous rapprocher de la nature, de profiter des premiers rayons du soleil. Haziel vous permettra d'obtenir l'aide sur des projets que vous aviez en cours. Il favorisera également la communication avec les autres. Autant dire que les métiers qui se rapportent au commerce s'en trouveront favorisés. En amour, c'est plutôt l'amitié qui prendra une place importante dans votre vie. Vous aurez envie de pardonner à vos ennemis et de renouer avec le passé. Dans votre couple, vous resterez calme et à l'écoute de l'autre, ce qui vous apportera une plénitude. Des projets d'union pourraient se concrétiser. Offrez à l'ange Haziel une bougie de couleur bleu nuit, de préférence le 29 mars, si vous désirez l'invoquer pour une aide spirituelle. Les Gémeaux seront enthousiastes. L'hiver n'est pas votre tasse de thé. Vous aimez le soleil, les fleurs. De voir le printemps pointer le bout de son nez suffira à vous redonner le moral. Vous serez plein d'énergie. L'envie d'avancer, de faire du sport, même si parfois vous n'arrivez pas à concrétiser vos bonnes résolutions. Motivez-vous pour une bonne balade en forêt. Rapprochez-vous de la nature. Elle vous le rendra bien. Ariel vous accompagnera ce mois-ci. Il vous permettra d'accomplir de grandes choses, des rêves que vous aviez depuis longtemps, que vous n'osiez pas assouvir. Les vacances seront pour vous votre priorité. Un besoin de prendre du recul, de vous détendre. Vous pourriez préférer la piscine, les massages et la détente. Ne vous reposez pas trop sur vos lauriers, car le travail sera bien présent. Vous pourriez prendre du retard. En amour, c'est l'extase. Votre partenaire sera à l'écoute. Vous brillerez par votre charme naturel avec une petite envie de papillonner. Ariel aime lui aussi les bougies de couleur bleu nuit. Les cancers seront favorisés ce mois-ci. Placés sous l'influence de Vénus, planète de l'amour, votre vie sentimentale sera comblée si vous êtes en couple. Pour les célibataires, cette période est très propice aux rencontres. Le travail sera lui aussi très présent. Les cancers qui veulent évoluer pourraient trouver leur place au sein de leur entreprise. Il vous faudra tout de même donner de votre personne. Rien ne se fera seul. Heureusement, vous pourrez compter sur l'aide de Lovia. Cet ange est très puissant. Vous pourrez donc l'invoquer pendant tout le mois pour qu'il vous aide à franchir les obstacles. Il vous permettra également d'éloigner vos ennemis pour vous permettre de progresser en toute quiétude. Pour les lions, il était temps que le mois de février se termine, car vous avez subi des pressions interminables. Vous étiez de mauvaise humeur, ce qui se répercutait sur votre couple et votre entourage. Heureusement, ce mois de mars va vous apporter une prise de recul non négligeable. Vous serez plus à l'écoute, plus attentif aux autres. Votre conjoint s'en trouvera comblé. Côté professionnel, vous êtes encore un peu là. Pas trop d'énergie, préférez plutôt les projets sur le long terme. Les écrits seront très présents. Hieratel sera votre allié. C'est l'ange des écrivains. Certains d'entre vous pourraient donc trouver leur inspiration ou se découvrir une nouvelle passion. Autant dire que cet ange sera une aide précieuse aux étudiants. L'amour vous inspire et vous permet d'avancer. Notons que vous serez plutôt d'âme rêveuse. Préférez les dîners romantiques, les petites attentions pour combler votre partenaire. Attention toutefois à votre santé. Vous subirez une petite baisse d'énergie. Préférez plutôt les légumes en vitamine A, tels que les tomates ou les carottes. On aura du mal à vous suivre, amis vierges.
Un jour blanc, un jour noir, vos humeurs seront très contradictoires. Vous aurez tendance à vous réfugier dans le travail. Votre côté sentimental sera un peu en berne ce mois-ci. Vous n'aurez plus envie d'entreprendre. Vous laisserez l'autre décider, autant dire que vous vous laisserez bercer. C'est l'Hécabelle qui vous viendra en aide. Cet ange vous rapprochera de la nature. Vous aurez envie de faire du sport, de prendre soin de votre corps. En gros, de vous retrouver. L'amitié devrait être également au rendez-vous. Celle-ci vous permettra de vous révéler auprès des autres. Un terrain où d'habitude vous n'êtes pas très à l'aise. Les sorties entre amis seront donc d'actualité. Pour les balances, vous sortez d'une période compliquée. Jusqu'à la mi-février, vous vous sentiez bloqué de toutes parts. Heureusement, maintenant tout est derrière vous. Vous vous sentez revivre. La communication revient, ce qui permettra de renouer avec votre conjoint et de retrouver une harmonie et une complicité. C'est le soleil avec la rencontre de Neptune qui favorisera pour les célibataires de nouvelles aventures. L'ange Michael vous apportera la force dans les affaires. Votre côté professionnel s'en trouvera renforcé. De nouvelles opportunités vous seront offertes. À vous de les concrétiser. Vous resterez un peu frileux, restant sur la défensive, trop calculateur. Ouvrez-vous aux autres, faites-vous confiance et l'évolution viendra d'elle-même. Si vous avez prévu de faire un voyage, sachez que votre ange vous protégera. Offrez-lui une bougie jaune pour l'invoquer et le remercier. Attention, vous aurez l'âme dépensière ce mois-ci. Le sentimental ne sera pas le point fort des scorpions ce mois-ci. Vous préférerez favoriser vos amitiés, ce qui ne conviendra pas à tout le monde. Les couples risquent de se sentir un peu sur le banc de touche. Sur le plan professionnel, ce sera un peu compliqué. Vous aurez une soif d'avancer, d'évoluer, mais beaucoup de personnes tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues. Heureusement, Ménadel sera là pour vous aider. Cet ange est à invoquer quand on rencontre des soucis dans son emploi. Sa couleur est le rouge, celle du guerrier. En brûlant une bougie de cette couleur, vous pourrez l'invoquer et le remercier pour vous aider à avancer et à surmonter les embûches. Vos finances seront plutôt favorisées, c'est peut-être une bonne période pour investir. Tout est bon en amour pour les Sagittaires. Mars, la planète guerrière, vous domine, vous rend séducteur. Les couples pourraient faire des folies et pour les célibataires, ils ne le resteront pas bien longtemps. Le professionnel sera boosté également. Ceux qui sauront aller de l'avant pourraient trouver du travail ou se voir évoluer dans leur poste. Vous prendrez des directives qui séduiront vos supérieurs, car vous saurez vous imposer. N'en faites pas trop tout de même, vous risquez de vous attirer des jalousies de la part de vos collègues qui n'arriveront pas à vous suivre. Yéhazel, votre ange du mois, vous aidera dans cette démarche. Il vous transformera vos ennemis en amis. L'administratif s'en trouvera lui aussi favorisé. Vous aurez une aisance pour régulariser tous vos papiers. L'ange Yéhazel aime le rouge. N'hésitez pas donc à brûler ses bougies préférées pour que son aide soit optimale. Vous ne serez pas déçu. Il peut être une grande aide en politique. Financièrement, vous serez plus économe. C'est déjà le printemps pour les Capricornes. Vous papillonnerez, butinerez de fleur en fleur. Pas sûr que ça plaise à votre partenaire. Vous aimerez séduire et les sorties seront d'actualité. Un emploi du temps débordé. Autant dire que le travail, lui, sera mis un petit peu de côté. Vous aspirerez déjà aux vacances. Vous en ferez le moins possible. Ce qui vous vaudra des remontrances de votre entourage. Fair play, vous vous laisserez porter par votre bonne humeur et saurez rebondir en toute situation. Omael, votre ange sera pour beaucoup dans votre joie de vivre et votre bonne humeur. Il protège les animaux, vous aurez donc un certain engouement pour vous en rapprocher. Autant dire que les vétérinaires, les éleveurs auront une grande réussite ce mois-ci. Si vous désirez lui faire plaisir, brûlez une bougie bleue en le remerciant pour cet accompagnement.
Les finances seront plutôt stables, pas de gros investissements en vue, juste une continuité. Une belle rencontre pourrait se faire ce mois-ci pour nos amis Verseau. Elle pourrait être sentimentale ou amicale. Vous saurez user de vos charmes pour séduire habilement votre partenaire. Certains auront envie de faire des enfants, d'autres des envies de mariage. Bref, tout est réuni en amour. Dans le travail, c'est un petit peu plus compliqué. Vous aurez tendance à vous angoisser pour un rien. Vous chercherez les problèmes là où ils ne sont pas. Restez zen. Rien d'important ne devrait se passer. Vous mènerez votre barque doucement, mais sûrement. Les métiers de la communication s'en trouveront favorisés. Aladia vous aidera à vous rapprocher de la nature. Préférez les longues balades en forêt aux soirées canapées. Vous pourrez lui offrir une bougie bleu nuit pour lui rendre heureux. Vos finances sont un peu à la dérive, trop de dépenses sûrement le mois précédent. Mais vous saurez remonter la pente. Pour les poissons, le plan sentimental, ce sera le meilleur moment de l'année. Le passage du soleil renforcera votre sex appeal. Vous brillerez de mille feux et saurez bien vous en servir. Les couples feront de grands projets, les célibataires en profiteront pour s'offrir à l'autre et pour trouver leur moitié. Dans le travail, vous ferez un break. Certains prendront des vacances, d'autres du recul. Il sera temps pour vous de vous retrouver plutôt en famille, de profiter un peu de la vie et pourquoi pas reprendre le sport. Accordez-vous du temps, c'est la priorité du moment. Daniel, votre ange, aura une dominance dans tout ce qui concerne le juridique. Il vous aidera à gérer les litiges. Il sera une grande aide pour toutes ses professions. Il vous aidera également à communiquer avec les autres. Si vous désirez l'invoquer, offrez-lui une bougie jaune, couleur du soleil, les deux réunis pour un succès garanti. Votre côté financier lui souffrira légèrement. On ne peut envisager de se faire plaisir et faire plaisir aux autres sans se démunir un peu. Mais votre satisfaction personnelle s'en trouvera satisfaite.